Pendant qu'on groupe moun qui content, il a fait fête parce que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, il pral rentrer demain samedi 1er juillet en Haïti. Li pral gen pou chita parler à gouvernement Ariel Henry, rencontrer avec membre CTO, rencontrer avec divers représentants partis politiques, organisations droits moun, faire un état des lieux, constater véritablement ça qui passé dans le pays. Eh bien faut moi dit nous, dans l'autre bois, gen un groupe haïtien qui prend courage avec deux bras, qui campait tant que bon Jean Petit de Saline pour opposer secrétaire général Nations Unies quelques questions. Il y a une liste de questions, une liste de revendications que le groupe haïtien décidé pour faire passer. Quelques questions, tant que promesses, tant que réparation que Nations Unies promettent famille qui est victime choléra. Nous connaissons avec Minustah de 2004 à 2017, le président Jovenel Moïse a décidé pour voyer Minustah aller. 13 ans Minustah passé en dehors de pays, qui quantité de dégâts, qui quantité de dérives, qui quantité de jeunes femmes, jeunes garçons, choléra, gaspillés. Eh bien, Nations Unies promettent à préparer famille ça qui étaient victimes, nad marinade. Eh bien, vous paquet l'autre revendication, vous paquet l'autre et bagaille que Haïtien maintenant lisa, une série de questions que t'as remis poser Antonio Guterres. Eh bien avec Stanley Lucas, nous pral regarder ensemble et qui ça revendication yoyé. Nous pral regarder ensemble qui ça peuple haïtien doit faire, qui ça doit préparer demain samedi matin en bonheur pendant que nous connaît gagner un pile gros média international là qui pral défiler et qui pral venir couvrir événement ça côté que secrétaire général Nations Unies pral débarquer dans pays etc. Eh bien c'est bon moment pour peuple haïtien envoyer un signal clair bas international là avec Stanley Lucas, nous pral débattre sur ça. Déjà invité à partager et vidéo, à partager émission. Si beaucoup abonné à la chaîne, pas négliger abonner puisque là nous allons faire bon genre débat, nous allons analyser des situations extrêmement importantes dans le moment là qui a passé en dedans pays. J'en ai déjà annoncé li et nous allons faire un petit parler là avec Stanley Lucas et sous visite numéro 1 secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres demain samedi 1er juillet et dans le pays d'Haïti. Nous allons regarder à Stanley et visite et secrétaire général Nations Unies et qui ça dans qui objectif et libral venir sous sol là qui ça le bral porter qui ça visite li en capoter et de concret de positif ou bien de négatif tout et pour gouvernement Ariel Henry. Et Stanley Lucas comment est bienvenue oui dans l'émission. Bon moi bien content avec vous Yannick comme d'habitude, moi saluer toute équipe là et puis nous saluer tout auditeur. Et Stanley, moi te get annoncé et auditoire là ça que nous pral font parler sous visite Antonio Guterres et dans pays d'Haïti qui pral rencontrer avec officiel l'état yo et qui probablement pral rencontrer avec HCT et dans objectif et pour font état des lieux de situation pays et ou même qui sort attendre de visite ça de visite et secrétaire général Nations Unies. Comment comprendre visite là et surtout dans période côté que Ariel Henry à gouvernement là monsieur dame yo senti confortable par rapport avec intervention militaire là, par rapport avec force d'intervention. Est-ce que vous pensez visite là c'est approuver ou inapprouver oui pral gon force d'intervention militaire ou bien c'est l'autre bagaille qu'a réglé en batable là? Et merci pour question ça. Histoire récente même si nous-mêmes dans le pays d'Haïti avec Nations Unies pas bon. Et Nations Unies, c'est pas la première intervention qu'elle fait dans le pays. Et depuis 25 ans qui sont passés, dernière intervention qu'elle a faite, était un soldat dans le pays pendant 13 ans. Et pendant 13 ans, ça, les soldats des Nations Unies qui sont en catastrophe parce qu'ils ont défini la guerre dans le pays. Et qui touille 11 000 Haïtiens et contaminé 1 million, nous sommes obligés de couper à Nations Unies pendant 3 ans pour faire reconnaître que c'est eux-mêmes qui délaguent choléra. Koulia, nous finissons de couper avec eux pour reconnaître que c'est eux qui délaguent choléra qui touille 11 000 Haïtiens. Ils ont promettre que famille 11 000 personnes qui mourent en bas choléra, ils ont payé une propre réparation, un propre dédommagement pour famille. 2023, ça fait 13 ans, nous avons payé pour payer 11 000 familles en goutte. Deuxième bagaille là, les soldats ministériels étaient là, ils faisaient cardiaque sous petits filles, sous petits garçons, sous femmes, sous garçons. Jusqu'à présent, pour crimes sexuels, ça a eu, pour aucune justice pour les gens qui sont victimes. Troisième bagaille là, les soldats ministériels étaient là pendant 13 ans, c'est eux qui vendent gang aux âmes. Et en plus, les kidnappings tap fait devant eux, ils n'ont pas de fin. Et il ne faut pas oublier que 2 ans avant le président Jovenel Moïse, c'était le président. Et côté ce président Jovenel Moïse, qui a mis le ministère dehors, soldats dehors en octobre 2017. Commandant ministère qui c'est un général brésilien, aujourd'hui à son ministre de la sécurité intérieure qui est au Brésil. Et par contre, il a toujours si aucun changé. Mais commandant ministère ça, qui t'a pris le ministre devant, je te dis, Haïti n'a pas garanti la sécurité s'il n'a pas bâti l'armée avec la police. C'est même les Nations Unies qui a empêché nous de bâtir la police. Alors que même commandant ministère qui était là, et 2 commandants ministères qui étaient là, ils ont dit que Haïti n'a pas garanti la sécurité s'il n'a pas à la fois l'armée et la police. Donc moi-même, visite ça, je regarde un genre très simple. Samedi matin, bonnet, peuple à ta doit monter à l'aéroport pacifiquement, sans violence, pour y aller demander secrétaire général des Nations Unies en 5 bagailles. Mais les bagailles là, contre comme choléra. Vous avez dit que 11 000 personnes qui choléra a détruit, les Nations Unies, secrétaire général qui était là avant, vous avez dit, vous avez payé réparation. Vous avez fait des dommages ça. Donc, premier bagaille là, peuple à doit monter bonnet, samedi matin, dans l'aéroport pour aller demander. Et Antonio Guterres contre cop choléra. Deuxième bagaille, dans 5 bagailles que nous demandons, c'est l'État haïtien, les assassins, au fin de président le 7 juillet, président Jovenel Moïse. L'État haïtien voyait 2 lettres. Ils vont le 19 juillet 2021, ils vont en deuxième lettre 3 août 2021. Dans 2 lettres, l'État haïtien dit, secrétaire général des Nations Unies, même Jean-Léo détruit premier ministre Liban, Rafik Hariri, Nations Unies te met un tribunal spécial international pour enquêter sur l'assassinat du premier ministre Liban. Tant pis, fait même bagaille pour Haïti. Et ça que là, c'est que le tribunal spécial te met pour joindre l'assassin du premier ministre Liban. Yo effectivement te joindre tout assassin dans le pays Syrie qui te vient tuer premier ministre pays Liban. 24 mois après, le secrétaire général là pour jamais mettre tribunal là. Donc, il faut que nous demandions au secrétaire général là, côté tribunal là. Si vous ne pouvez pas mettre l'escalier parce que Madame Lalim est impliquée dans tout le président. Troisième bagaille que nous demandons au secrétaire général des Nations Unies, et un colonel de l'armée et un commissaire de la police pays d'Haïti qui t'a parlé. Ils ont dit depuis l'armée à la police, je ne sais pas besoin, ils ont crasé gang sans problème. Pendant 23 mois qui se passaient là, nous avons besoin de 3 à 4 hélicoptères de combat qui représentaient des goudins pour les Nations Unies. Ils ne sont pas bons. Nous avons besoin à peu près 15 chadassous, pas blindés non, 15 chadassous, chadassous à son chat, qui en forme, les gens des mitraillettes solides sous lui, les laps marchés sous gang, gang n'a pas l'autre option et courir pour courir. En 23 mois, 100 moun noirs pays d'Haïti a coulé, blanqué les Guterres là, à jambes nous âmes que nous avons besoin pour l'armer nous, avec la police nous craser gang. Pour qui ça? Est-ce que c'est le racisme systémique? Pour qui ça y a bail blanc pareil en Ukraine? 80 milliards de dollars américains, et puis nous, même ça nous besoin de 60 millions de dollars américains pour craser gang, pour l'armée à la police craser gang, ils ont refusé pour nous. Est-ce que c'est du racisme systémique? Aïe, troisième bagaille là. Quatrième bagaille que nous demandons Antonio Guterres, la justice pays d'Haïti, on bon, avait dit, commissaire gouvernement Bedford Claude, juge d'instruction Gary Aurélien, montrer clairement que le premier ministre là impliqué dans le président Jovenel Moïse. En plus de ça, un article New York Times a écrit que plusieurs mois de ça, les aéroports condamnés Oudol Jalide dans la prison Florida, Miami Herald a fait une interview avec lui. Interview avec le Prime Minister linked to murder suspect. C'est New York Times qui a écrit. Dans l'interview que Oudol Jalide a fait avec New York Times, il a Ariel Henry impliqué dans tout le président et Yannick. Ma pour aller à ça, ou après qui l'autre Pas de problème. Cinquième bagaille là, Haïti n'a pas besoin d'intervention militaire étrangère. Toute intervention militaire étrangère en Haïti, par exemple, pourtant rien de positif dans l'histoire. Et pas seulement le pays d'Haïti, regardez le pays Libye, qui est allié là après l'intervention militaire, après que vous touillez le président Lacaille. Regardez le qui est à Libye. Est-ce que nous avons besoin d'Haïti tourner en Libye? Donc si nous voulons aider nous tout bon, nous n'avons pas besoin d'intervention militaire, nous avons besoin d'armes, bon gens d'armes, pour que la police, à l'armée, à marcher sous gang, gang yo pas qu'à faire rien, yo refusé bon nous armes ça. Les me songer, les me retourner dans l'histoire pays nous, moi songer Sontonax, les Sontonax ça bail esclaves noirs yo armes, ils étaient esclaves noirs, monde qui vient retirer les armes ça dans monde, c'est eux même qui veulent remettre dans l'esclavage. Pour me finir dans partie ça, ma petite toute jeune capitaine de là qui c'est futur dirigeant l'état demain matin. Fait dossier, parce que l'on va faire dossier, ou pas qu'à diriger, ou pas qu'à défendre les intérêts de la République. C'est pour ça que nous regardons un article détaillé sur l'affaire du secrétaire général Antonio Guterres, qui est en Haïti, article relé et Antonio Guterres et Haïti. Vous apprenez sur www.papillonencréole24.com. www.papillonencréole24.com. Allô? Yes. Donc, par rapport avec 5 points ça va avancer sous visite et secrétaire général des Nations Unies, mais il y a ça qui est pour avec question politique là, Stanley. Sixième point, soufflé. Dit que comme Antonio Guterres a fini là pour faire Ariel Henry roi, si vous même ou aimez Ariel Henry a dirigé le pays, on est impliqué dans le président pendant 24 mois. On a d'accord à Jean-Ariel. Et puis, Antonio Guterres a fini faire quoi? Montagne ou quoi? Si Antonio Guterres a bonnet samedi matin. Stanley, font-ils gérer son pour moi parce que ils n'ont pas capté très bien. Ils n'ont pas capté très bien, même. Bien coupure. L'âme c'est en forme. Et maintenant, Stanley, dans ça qui est pour avec aspect politique là, aspect politique visite là, donc on est vini et Antonio Guterres vini là, il est évident que pral gagner et structure politique yo, pral que si t'as parlé avec le gouvernement, HCT a plat quand même, a bien parti politique, organisation de la monde qui pral chita, etc. Mais est-ce que de point de vue politique visite et secrétaire et général Nations Unies li vini là est-ce que visite li a quelque part renforcer et position Ariel Henry renforcer pouvoir Ariel Henry ou bien si nous ka dit même aller plus loin consolider pouvoir Ariel Henry par rapport avec gestion Ariel Henry dans notre pays ou bien tout du moins c'est seulement une visite de courtoisie li vini et en prélude nous connaît non seulement bien dans mois juillet à la réunion qui pral fait et on assemblée qui pral fait et en dedans conseil de sécurité sur le dossier haïtien ils pral réunir et pral gagner tout dans mois septembre gagne pour venir là gagner promesse qui fait que a gagner on liste Nations Unies mettre dehors moun yo pral prendre sanction contre yo même comme moun ka financer gang ka financer bandits en dedans pays. Est-ce que toute bagaille ça yo lié? Est-ce que son coïncidence ou bien yo lié tout simplement? Et belle question. Agenda que blanc yo gagne et objectif que blanc yo gagne et intérêt que blanc yo gagne différent de intérêt peuple haïtien. C'est pour ça monde qui blanc collaborer avec yo en Haïti, c'est des monde depuis plus de 30 ans qui capturer l'état, qui tuer président qui nan gang, qui aller à l'encontre de intérêt peuple haïtien. On garde un bagay et depuis sanction yo mettez. Depuis ça que vous mettez, il y a beaucoup de monde qui crée gang en 2017 jusqu'à ce que vous trouviez président en 2021. Qui est-ce qui crée? Qui est-ce qui crée écraser barrière? Qui vient en tête l'éviter l'homme innocent? Nous avons témoignage, chef. Nèg politique yo. Prétendument. Comme Ariel Henry, Ricard Pierre. Comme Ariel Henry, Ricard Pierre. Allô, Stanley? Non, il y a coupure, moi, je m'attends bien même. Donc, moi-même, tous les qui créent gang, les André Michel, les Lenel Kassi, les Ricard Pierre, les Reginald Boulos, les Dimitri Vaub, les Edouard Boussant, c'est eux-mêmes qui créent gang jusqu'à ce qu'ils aient tué le président le 7 juillet 2021. Ouais, mais grain là-dedans, qui m'a depuis qu'ils mettent des sanctions. Donc, ça, c'est le premier bagage là. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre le peuple haïtien et ça, blanc, il y a cherché. Deuxième bagaille là, agenda blanc, c'est pas agenda ban. Agenda peuple haïtien qui s'allie, c'est le rétablissement de la sécurité, arrêter tout assassin blanc avec haïtien qui touille le président, c'est organiser référendum, c'est retourner un pays à l'ordre constitutionnel à travers l'élection législative et présidentielle pour installer 59e président avec 51e législature. Et bien, ça, agenda blanc. Blanc bon complot qui est monté contre le pays d'Haïti depuis 2003, nos réunions secrètes, ou bien vidéo, nos réunions secrètes qui ont été faites dans le lac Midi au Canada en janvier 2003. Complot blanc qui c'est blanc raciste et élite globaliste pour un pays. Il y a un agenda qui semblait agenda flibustier du temps de la colonie. Il y a besoin d'entrer dans le pays à travers une intervention militaire. Nous voler ça, nous gagnons en bataille, nous gagnons bauxite, nous gagnons cuivre, nous gagnons l'eau, nous gagnons iridium, nous gagnons gaz naturel, nous gagnons terre. Donc, agenda blanc, c'est comment pour faire une intervention militaire, installer un qui tient le président sous pouvoir ou bien un gouvernement perpétuel qui peut permettre les sages. Ça a besoin de voler. Agenda ça a commencé en 2003. Les nègres poussés, le peuple a résisté, les nègres pas capitale. Ils ont commencé après le tremblement de terre 2010. Là. En 2010, ils font un sénateur américain. Allô? Allô? Ah, comme... ah, allô, Stanley là? Allô? Communication a coupé, nous avons perdu contact avec Stanley. Nous avons essayé de rétablir. Et communication hein, le plus rapidement possible. On voit qui ça la baille. Communication vraiment pas bon. On regarde pour nous. Qui ça la baille. Parce que faut que nous fin connait agenda ça que blanc yo a exécuté là, Stanley toujours des bagages pour dire non. Il est vraiment difficile là pour communication rétablie. On regardez. Très difficile. Bon. Nous allons laisser rétablir contact direct avec Stanley pour nous voir qui ça la baille parce que là bagaille vraiment pas marché. Oui Stanley et nous rétablir contact là et où t'as fait ou t'es dans approche côté que et blanc yo gon plan pour Haïti depuis janvier 2003 pour yo prendre contrôle pays pour yo appliquer plan yo vinn appauvrir Haïti pour yo même pour y gérer bagay yo qui ça bagay là directement. Bon, premier bagay là pour garder c'est que agenda peuple haïtien différent de agenda moun qui se pouvoir dans pays d'Haïti facturer président Haïti créer gang avec agenda blanc. Agenda peuple haïtien c'est l'établissement de la sécurité, marée, assassin blanc, oligarque avec haïtien qui touille le président, organiser référendum avec constitution que commission indépendante est faite, et puis organiser élection pour peuple qui a choisi, nous avons la 51e législature, et qui est le 59e président. Ça a agenda peuple haïtien. Agenda monde qui sous pouvoir, et qui crée quand pour éliminer le président Jovenel Moïse, les Reginald Boulos, les Dimitri Vaub, les Jean-Marie Vaub, les André Michel, les Ricard Pierre, les Cato, les Bouplans. C'est comment pour tuer sous pouvoir jusqu'à 2025-2026, mettons un conseil électoral pour être sur un coup d'état électoral avec un série de zombies, ça pour aider un Jean, Jimmy, Albert, Benouzal. Allô? Allô? D'ando bien. Ok. D'ando très bien. Ok. Gain coupure. Donc, nous sommes pour agenda, nous sommes très bien. Agenda, et André Michel, Boulos, et Dimitri Vaub, et etc., qui c'est qui j'en pourrais des pouvoirs pour faire coup d'état électoral. jusqu'en 2026. Et vous entendez agenda et peuple haïtien qui s'est rétabli l'ordre constitutionnel avec la sécurité et justice du président. Blanc yo même agenda par eux, il commence en 2003 dans lac Michel au Québec où il y a une réunion secrète qui fait. Dans la réunion secrète ça, il y a américains, il y a canadiens, il y a quelques latino-américains avec européens. Donc plan qui n'est exécuté en 2003, c'est qu'ils ont pour suspendre souveraineté à l'indépendance pays d'Haïti, mettons intervention militaire pour venir voler, même genre Libustio dépend de ça à l'époque de la colonie, pour venir voler ça nous gagne en bas des pays. En bas des pays, nous gagne bauxite, nous gagne cuivre, nous gagne l'or, nous gagne gaz naturel, nous gagne iridium et nous gagne terre. Qui évalué, tout ça évalué à 400 milliards de dollars américains. Donc c'est qui j'en voulais venir voler. Donc, nous avons essayé en 2003 pour suspendre la souveraineté de nous, ils ont échoué. Ils ont retourné après le tremblement de terre 2010. Après le tremblement de terre 2010, ils ont fait un sénateur américain écrit dans Miami Herald pour dire faut que les Nations Unies mettent Haïti sous tutelle et ils ont fait un haïtien américain du Massé Simeus écrit sous ça pour mettre un ancien président des États-Unis gouverneur d'Haïti. Pour n'importe étudiant qui besoin l'article sénateur et réponse que nous débattons à l'époque, et en mars 2010, je dois aller sur Open News Stanley Lucas, chercher réponse que nous débattons au sénateur, et dans la réponse que nous débattons au sénateur, on mettait tout article sénateur écrit sur Miami Herald. Et nous avons effacé l'article ça aujourd'hui, à soi jugé, on ne peut pas prendre, on ne peut pas faire dossier, on ne peut pas comprendre côté nous. Donc, je vous dis, nous avons dépensé que et en 2017, tu as pas fait un moyen pour garder qui j'en pouvais susciter pour un. Le président Jovenel Moïse mettait soldats ministères dehors en 2017. Il commençait à bâtir l'armée. Bâtir l'armée vient créer un problème par rapport à l'agenda blanc. Parce que si nous-mêmes nous bâtissons l'armée, nous n'avons aucun blanc qui a monté sur le territoire. Et pour ça, nous avons tout le président Jovenel Moïse avec Oligarque le 7 juillet 2021. Donc, je le dis, allô? Allô? Aux États-Unis qui impliquent notre président, pour que nous joignions, ce n'est pas seulement oligarque pays d'Haïti, Boulos, Vaub, qui impliquent notre président pour nous joindre, Blanc qui impliquent notre président, c'est eux-mêmes qui cachent des Nations Unies pour essayer de suspendre la souveraineté nous, qui essayer de suspendre l'indépendance nous. Regardez, pendant 23 mois qui sont passés là, la petite négio, bon nous sommes. La police à la main nous a embourrasé gang. Ils ont refusé. Mais blanc pareil en Ukraine, ce n'est pas milliards qui a prouvé. Même si le Canada, ça, pour là, c'est la caillou qui réunion secrète a été faite en 2003. Nous avons commandé blindé pour la police. Le président des faits ministère des Finances paye blindé. Le Canada, jusqu'à ce que tout le président, refusé par blindé pour la police. Ça montre aucun plan pour tout le président. Mais en parlant de référendum, non, ou mettez la liste, ça peut pas ici en relais. Mais, il y a un gouvernement Ariel Henry en l'Assemblée. Et Ariel a préparé pour le mettre en PCP, pour le faire référendum, pour le faire constitution. Est-ce que c'est de même référendum, ça va parler? Est-ce que c'est référendum Ariel là? Non, et soit le discours Ariel, 4 mois après le démonter, le discours qu'il a fait, il a dit que c'est une entrepreneur politique, architecte politique qui est dans l'université qui a Jacques Limac. C'est lui-même qui a écrit nouveau constitution. Jacques Limac qui sont nés, qui était candidat oligarque dans l'élection 2010, c'est monsieur qui toujours fait plan pour oligarque de Goudon. C'est même Jacques Limac qui a écrit une constitution en faveur oligarque pays d'Haïti et pour écarter le peuple là dans le processus de décision politique pays. Nous même c'est pas de constitution ça que nous avons parlé. Madame Aniga travaille là dans tout. Et même Madame Aniga son monde qui trahit tout parce que lorsqu'on regarde des vidéos, ça a été dit en 2005, Madame Aniga a dit clairement, et nous connaissons des vidéos ça, Madame Aniga a dit clairement que accord, son bagage qui va camper sous rien, sont là pour créer, pour apprendre le pouvoir politique, créer institution politique. Mais je dis à Madame Aniga fait exactement le contraire de ça a été dit en 2005. Madame a dit que accord va monter sous constitution. Exactement. Même lorsqu'on cas exceptionnel, c'est constitution qu'on doit appliquer. Madame n'a fait exactement le contraire de tout ça le détenu en 2005. C'est pour ça, ouais, oligarque a pas acheté moun dans Port-au-Prince, les entrepreneurs politiques, sous pas un caractère ou pas une conviction ou pas comme ça, la loi et les principes démocratiques, sont monde qui cherche à manger pour lui, ou pas qu'à défendre l'intérêt national du pays. Donc, nous avons 2 ans là, Stanley. Nous avons 2 ans, c'est sans ces mêmes discours par rapport avec, et sans avec la politique, avec les sous-pouvoirs. Et concrètement là, nous presque arrivés sous 2e année et commémorative de l'assassinat président. Hein? Ou là? Entendez-moi? Allô? Oui, m'attendez bien sorti. Oh, ok. Moi, je dis que nous sommes là après gagner 2 ans depuis avec Ariel sous pouvoir, c'est censé même même discours, même approche. Allô? Où t'as dem Stanley? Allô? Nous perdons Stanley communication. Bon. On dirait bien que je dis à la... Stanley me dit ça. Stanley me dit... Oligarque qui n'a pas voulu intervention faite. Bon, on regarde là qui ça s'accabaille. Allô Stanley, entendez-moi? Allô? Matin, communication à chaque âge, nous matin, monsieur, il n'est pas blanc. À peine m'a dit ça, oui là. À peine m'a dit ça. Et où rejoindre moi vraiment. Oui, Stanley, mais question, non, moi, je dis que nous gagnons 2 ans là, nous gagnons 2 ans avec Ariel sous pouvoir. C'est presque même, chaque jour, c'est même discours, côté que la fait des promesses et lui montrer que lui engagé dans une bataille pour changer le pays, il n'a pas changé. Mais de manière concrète, qui ça ou même, vous pensez que peuple haïtien doit faire le plus rapidement possible pour y joindre nos solutions avec mauvaise gouvernance, mauvaise gestion qu'a fait le pouvoir politique dans le pays. Parlez avec peuple Stanley. Il y a 2 bagages qu'il a fait, mais en attendant que monsieur est blanc à l'aise là, blanc bien mené là. Vous ne oubliez que blanc, si vous passez 2 ans, il va faire un bout. Vous ne oubliez que 52% du marché pétrolier haïtien, c'est français qui contrôle. Parce que dans 24 mois qui sont passés là, les blancs ont fait $90 millions américains chaque mois dans le gaz là. Multiplié 24 par $90 millions, et vous regardez combien là-bas, presque $2,160 millions américains. Dans la rivière, blanc a bien mené tout. Il dit que John Egg mettait prix l'huile, prix d'iré, tout sont commandés à l'étranger. Les gars fait $60 millions américains par mois multiplié par 24 mois. Elle dit que l'homme la vie chère avec gaz là seulement, blanc fait presque $3,5 milliards américains dans 4 mois, dans 24 mois qui sont passés là. Et vous avez blanc, Jean Baila là, oligarque blanc, puis mené. Il y a 2 bagages que fait ici en café. Numéro 1, son pas dans violence, son caoutchouc pas brûlé, son roche pas voué, son pétard pas pété. Le peuple a dû monter samedi matin, bonnet, Allemandé, secrétaire général des Nations Unies en aéroport Port-au-Prince, côté cop choléra, numéro 1. Numéro 2, secrétaire général, côté tribunal spécial international là. Numéro 3, secrétaire général, côté ZAM pour l'armée à la police Kakazé Gang, pays d'Haïti Kakazé Gang. Numéro 4, qui j'en fais supporter un premier ministre qui est impliqué dans tous les présidents, qui est impliqué dans le gang. Dans 24 mois qui se sont passés là, qui crasent 500 milliards de gouttes, sans aucun projet pas fait dans le pays, et vous ne parlez de corruption, d'assassinat et de crimes. Et puis, secrétaire général, nous n'avons pas besoin d'intervention militaire. Donc, premier bagage qui peuple a fait, des caméras de télévision CNN à l'aéroport samedi matin, toutes caméras de télévision Europe, Amérique latine, États-Unis, Canada, Haïti, toutes gros télévisions dans le monde là, à plat, c'est bon moment pour le peuple à monter dans l'aéroport. Pour aller pour des messages pâles. Parce que ceux qui étaient Ariel qui parlaient pour message pour pas passer. Seuls gens pour message pour passer. Comme peuple, il faut bonheur samedi matin ou aéroport. Là, le premier bagage là, on casse. Deuxième bagage là, c'est dans le mois qui a fini, et Jean Citoyen est dans l'aria. Dans 2 premiers mois, ça veut dire de avril à mois de juin, Bwa Kalè a mangé à peu près 140 gangs dans le premier étage de sécurité. Le peuple a dit, c'est la semaine qui saute passer, on capte des peuples là. 2e vague, Bwa Kalè va venir, mais fois ça va monter dans 2e et 3e étage de sécurité pourquoi juger oligarques, leaders politiques, anciens parlementaires, pasteurs et latriers qui n'ont pas. Donc pour moi-même, deuxième solution, le peuple qui est en joint déjà, parce que c'est lui-même, dans l'interview qu'il fait, il dit que Bwa Kalè va monter dans le deuxième étage, là, à troisième étage. Là. Et, mais là, les Mabdou, Stanley, mais mouvement Bwa Kalè, là, on a regardé la réalité. Là. Son mouvement nègre ça c'est cassé mouvement ou qu'attendez des séries de activités qui fait de manière pas là autant de gon Bwa Kalè mais Jean Bagay là Jean était commencé à Stanley ou même c'est sûr que on constater on fait actualité on regarder information qui viennent joindre nous etc. mais ou pas ouais mouvement Bwa Kalè ou pas ouais nègre comme si yo cassé mouvement dans mes peuples là non yo pas cassé yo pas cassé non absolument pas. Mais ils ont fait plusieurs tentatives côté Ariel Henry, elle fait discours pour essayer d'écraser Bwa Kalè. Ils vont écopter une série de quartiers populaires pour essayer d'écraser Bwa Kalè. Il y a deux journalistes qui tapent une parler Bwa Kalè mal, mouvement légitime défense peuple là. Ouais, comment peuple là est à répondre et madame ça avec l'autre journaliste là et de ça ils tapent parler tout ça Bwa Kalè. Et pour ça moi dis non, faut comprendre mode de lutte peuple haïtien. Et le monde de lutte que nous avons, il va dater d'aujourd'hui. Elle dit que là, nous finissons le premier Bwa Kalè, elle dit nous commençons dans le bois caïman. Et puis, les colons blancs, ils ont laissé touiller et ont touillé plusieurs dans l'idée de Bwa Kalè. Eh bien, c'est des premières vagues là, première vague là. Comme dit, deuxième vague là, nous retourner jusqu'à ce qu'elle bonne nous 18 novembre 1803, côté nous caler au Chambo et puis nous craser l'armée française. Et j'en ai crasé l'armée française. C'est un combat trois l'armée qui était plus puissant dans le monde là à l'époque. L'armée espagnole, l'armée française et l'armée anglaise, ils ont tout supporté le système économique mondial là qui était chita sous l'esclavage. Nous avons tous les trois l'armée ça. Et les premiers Bwa Kalè. Avec que nous commençons en 1791 et puis nous allons chita en 1803 jusqu'à ce qu'ils créent la première république le 1er janvier 1804. C'est même genre, nous commençons Bwa Kalè ça. Peuple a un premier étage de sécurité le 24 avril, année ça, et même côté, là, après changer quand l'autre c'est peuple qui te compte paix. Il a bandit comment c'est pas, ouais. Quand il y a peuple qui se défonce, dans 2 mois, il mange à peu près 140 gangs. Quand il y a, malgré toute attaque qui fait sous lui, ouais, il y a des poches Bwa Kalè qui continuent à frapper. Mais deuxième vague là, le Calvin, il m'a pas qu'il est la fini. Il y a des matins, il y a 3 semaines, il y a 2 mois. Donc, il y a 7 ans. Deuxième vague Bwa Kalè à Balvini. Et la deuxième vague Bwa Kalè à Balvini, il va manier tout homme qui est dans le deuxième et troisième étage de sécurité. Dans le deuxième étage, il y a un leader politique qui est dans gang, ancien parlementaire qui est dans gang, pasteur qui est dans gang, 3 droits humains qui est dans gang, 4 journalistes qui est dans gang, tout le monde qui est dans le deuxième étage, même gouvernement qui est dans gang. Et puis, il y a un troisième étage là. Qui c'est oligarque, Boulos, Boussant, Vaub, et puis ancien président qui n'a gagné. Donc, je dis, soit regardez là, son récalibration, deuxième Bwa Kalè, ou va le très bientôt. Il va le monter dans le deuxième à troisième étage de sécurité. Et c'est une dernière question pour nous finir. Après visite, bon, nous allons anticiper là, nous allons un travail d'anticipation. Et qui ça nous attend après visite Antonio Guterres? Qui ça paye à attendre? Et depuis juillet 2022, il y a essayé d'appliquer plan 2003 pour suspendre souveraineté noire et indépendance. Nous avons fait une réunion dans le Conseil de sécurité en juillet, ça va marcher. Nous avons fait un en octobre, ça va marcher. Et nous avons essayé de descendre dans l'OEA, puis faire OEA, support d'intervention militaire, ça va marcher. Nous avons descendu dans CARICOM, ça va marcher. 16 juillet, nous allons venir là, nous allons faire l'autre tentative encore. Une fourrée dans la gorge, nous, on force d'intervention militaire étrangère. Alors que nous n'avons pas besoin de force d'intervention militaire étrangère, si nous n'avons pas besoin de l'armée noire, la police, les armes qui ont besoin, et puis on ne pas encore. Et l'or, l'armée à la police, les armes pour casser les gangs, sont solutions viables et durables. Ah, tout à fait. Tandis que l'or vient mettre une force d'intervention militaire qui n'a pas faibli l'État, qui n'a pas faibli la souveraineté, nous. C'est sous figure haïtien, c'est sous caractère haïtien et dignité haïtien qu'on va marcher en tant que blanc. Donc je l'ai dit, pour ça, moi-même, invité des jeunes capteurs de eux, à sous www.papillon24.com, papillon écrit P-A-P-I-Y-O-N 24.com, on a un petit détail qui m'a bail en pile détail pour étudiants qui voulaient faire thèse sous ça, sous complot international que Guterres a appliqué contre Haïti. Complot a daté de 2003 qu'il y est. Et blanc, ouais, malgré n'a dit non toute la journée, ouais, elle a continué à avancer avec complot. Donc nous-mêmes, nous sommes un peuple qui est résistant, nous habitués à la bataille. Même les négociations plus puissantes sous la terre avec l'armée française, anglaise et espagnole, nous devons être indépendants quand même dans figure. Ouais, donc même le dire, point de tout Yannick, sous son monde qui a cherché à manger, ou son monde ou pas qu'à gourmer politiquement pour intérêt national pays, ou pas qu'à faire sacrifice pour mener pour mes aïeux, ou pas qu'à ou pas qu'à dignité pour mener pour mes aïeux. Ben oui, tout à fait. À chercher à manger, faites un coup de professeur mathématique là qui tout, pas en mettre pas en mettre d'elle. Ou bien faites un coup et tirer, et même c'est manger, il a cherché. Mais sous son monde qui croit dans le pays, ou croit dans l'intérêt national, ou croit dans le peuple haïtien, ou croit dans l'autodétermination du peuple, ou croit dans la souveraineté, l'indépendance, nous rentrons dans la bataille. Et on va souffrir en pile, on va souffrir en pile pour le pays. C'est ça. Nous-mêmes, on va souffrir, et pour le pays, c'est la plus belle bataille qui nous a fait pour le pays. Moi, je suis qui me détruit, demain matin, je suis content. Et ça me fait pendant 24 mois qui sont passés, et même le président Jovenel D.A. pour Jean Gouma avec eux. C'est comme le président Jovenel qui vient l'ouvrir chez le peuple à venir aujourd'hui. Le peuple a tout mis dans l'arrière. Et Stanley, le mot de la fin, et pour nous mettre en bout dans l'entrevue. Hein? Bon, le mot de la fin, et joue un gouvernement sérieux dans les pays, Yannick, ou même Foucault, Bousta, et Jimmy, etc. Et il faut avoir une cérémonie spéciale dans le palais national. Pour honorer nous, pour le travail que nous faisons pays, et sacrifice que nous faisons pour pays pendant 24 mois qui sont passés à la. Stanley, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Et j'aime tant le président qu'on a dit palais national, c'est quand il s'y fait. Ça me branle maintenant palais national. En tout cas, il faut que le pays honore nous, parce que ça nous fait là pendant 24 mois. Ou après, je vous le dis, le secrétaire général des Nations Unies a descendu dans les Nations Unies, pas bon leader politique qui dit peuple là, en montagne, et pour ça, les peuples là réunis contre gang y a masse Pinel. Sans leader, c'est peuple là qu'on te Bwa Kalè. C'est même genre tout bon mec qui le fait, c'est ça, on est dans le 21e siècle là, leaderless revolution. Ça veut dire que c'est une série de révolutions qui fait sans leader. Et il fait Sri Lanka, il fait en Égypte, il fait en Tunisie. Révolution, ça a fait sans leader. Bwa Kalè, son révolution qui n'a pas de leader qui a cherché à manger là-dedans. C'est pour ça qu'elle a marché jusqu'à présent. Donc, je ne dis pas, travail pour faire dans les médias modernes et par rapport aux médias traditionnels, je franchement, il y a quelques nègres engagés qui de temps en temps pour faire un petit coup. Mais la majorité, il y a marché avec Ariel et Oligak. Et même depuis qu'ils étaient dans les passés, ils n'ont pas fait payroll dans le mois. Donc, je ne dis pas, c'est. Lutte là, son lutte médiatique qui est liée, son lutte sous béton qui est liée, son lutte idéologique qui est liée. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes qui viennent nous ressourcer à l'histoire pays. Pour qu'on connaisse qui est-ce qui était Nicolas ou Vandou. Il faut qu'on connaisse qui est-ce qui était Napoléon, qui doctrine idéologique, qui était chita avec Bobino, qui est appliqué. Il y a une idéologie qui était définie pour monter l'esclavage, qui était tout le monde blanc supérieur à mon noir. Nous sommes bêtes couillés, c'est pour ça que nous vendons pour $2 dans le marché, tant que nous vendons cochon, nous vendons cabrit. C'est ça que nous faisons à partir de 1789, 1791, dans Bwa Kalè. C'est ça que nous faisons dans Kalena et au général Rochambeau, le 18 novembre 1803, qui vient craser les fondations du système esclavagiste là. En même temps, tout nous craser l'idéologie qui fait comprendre que le monde blanc est supérieur à nous. C'est là nous faisons craser l'idéologie, c'est ça qu'on parle pour Martin Luther King, c'est ça qu'on parle pour Nelson Mandela, c'est ça qu'on parle pour Barack Obama, c'est ça qu'on parle maintenant dans tête pays africains, si pays pas nous Haïti qui a fait lui, yo même comme africain qui a fait tout. Donc nous-mêmes nous sommes un petit pays, c'est nous-mêmes qui baille Bolivar, Zam, soldats, pour la libérer la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, le Panama, la Colombie, le Venezuela, c'est nous qui baille Miranda, Zam. C'est nous qui de la Grèce libérée. C'est pour ça que m'inviter à lire, acheter un livre, petit livre, ça, on dit en chef. Mais pour famille ou pour petit tout, on va transmettre le livre ça de génération en génération. En plus de l'histoire d'Haïti, il faut acheter un livre qui relève quand la révolution était nègre en Amérique latine. C'est Nicolas R.E.Y. qui écrit. Côté M. Abix défendre terre et bien. Nous pas n'importe qui peuple. Et c'est ça, il y a essayé d'enterrer dans nous. Ils viennent avec anarcho-populistes pour faire nous comprendre que c'est un paquet de cocorat. Lorsqu'on a, ils ne sont pas cocorat. Vous, c'est ça, il est le premier des noirs. C'est où vous faites noir, vin noir. Ouais, c'est même ça. Nèg yo tellement attaqué nous de tous côtés, que nèg qui monte dans la radio, il dit des salines mourir dans volet, des salines drapeau que quelqu'un volent, des volent. Tout ça, c'est comme idéologique qu'a fait contre nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, c'est pour ça moi-même, à Sirius, nous t'ai créé une idéologie, nous t'ai participé dans la création et renforcer l'idéologie, ça a créé le noirisme démocratique. Que même Jean Blanc fait idéologie pour le défendre l'intérêt, Blanc fait le libéralisme, le socialisme, le capitalisme, qui vont paquet le communiste, qui vont paquet d'idéologie en tant que Blanc qu'elle fait. Nous-mêmes, ça nous paraît que notre race forme fait idéologie pour défendre l'intérêt noir, le noirisme démocratique. Nous disons qu'il y a 110 millions de Noirs en Amérique latine et dans la Caraïbe qui n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques. C'est le racisme systémique qui fait qu'il y a aucun des Noirs derrière toujours. Tout partout dans le monde. Moun noir pas de Bennett, moun noir pas de Bill Gates, moun noir pas de Zuckerberg, moun noir pas de Elon Musk. Donc je vous dis à fond craser toute barrière ça. Nous avons commencé le 18 novembre 1803, on continue la bataille là pour finir. Parce que blanc raciste, pas jamais oublié. Et puis pas me donner dernier bagage Yannick. Où est côté blanc raciste, n'a pas jamais oublié nous. Gon gros télévision aux États-Unis ici qui est les Fox News, OK? Gon élément grand peu monde qui dit monsieur raciste. Une émission de télévision qui a fait une émission de télévision. Je suis demandé à vous, vous avez télévision, je suis mauvais, vous comprenez ça? Peut-être que vous prenez une rue Brooklyn, vous avez à avenue Jean-Jacques Dessalines. Avec que vous pas jamais oublié plus de 250 ans après qui est-ce que Jean-Jacques Dessalines. Oui, tout à fait. Dessalines, ouais, blanc raciste, noir qui est plus raillé dans le monde. Vous pas jamais oublié Jean-Jacques Dessalines. Pas bien qui est souillé en tant qu'haïtien. C'est haïtien qui oublie l'histoire, mais étranger, on connaît qui ça a cette nuit qui fait. C'est tout étranger qui raciste là, il va plier des salines, il va plier Capalamo, il va plier Christophe. On pense que les Français ont plié Christophe. Les Français ont débarqué dans le pays d'Haïti, ils ont fait une chita Pétionville avec Milan Pétionville, ils ont parlé des dettes indépendantes, ils ont signé un papier, où ils ont voué les diplomates français au non-non, et puis ils sont arrivés non-non, devant Henri Christophe, ils ont parlé des dettes de l'indépendance comme diplomate français. Christophe Fissier tout. Stanley, et rendez-vous en liap cassé 6 juillet, li évident, avant 7 juillet arrivé, faut que nous fassions parler sur le deuxième année assassinat président Jovenel Moïse. Il y en a peur de nous espérer, pas bon la caille, pas nous, juge d'instruction, si il y a ordonnance cap gain pour sortir, pour le rendre, pour nous connaître. Qui a fait 2-3 activités pour commémorer deuxième année assassinat président et puis dans mausolée pour le président hier et famille a fait un pile l'école vini et pas aucun monde l'état qui est invité il y a des nègres l'état qui t'a fait tentative pour une salle président après nous offrir l'argent bagage ça famille Moïse dit pas pour un goutte dans mon pouvoir qui impliqué dans tout le président tout ça qu'a fait c'est la famille Moïse même première dame qui dépensait à Copal pour faire activité ça afin que comme si l'état t'a pas venu offrir pour venir participer yo dit yo même yo va prendre cop dans mes assassins ouais ça t'ai fait l'année dernière pardon moi toujours ça t'ai fait l'année dernière ça ouais yo essayé faire même tentative là pour administratrice palais et que José Pierre lui a fait relais et que mon primatia yo fait relais et d'ailleurs il va prendre appel et pas personne interposé ou dit clairement camper loin parce que c'est nous mêmes assassins qui impliqués dans tout le président dans qui bagaille n'a pas nous fruits là donc famille Moïse son famille qui a un caractère c'est petit cabra là c'est dans nord ouest qui ont sorti il va dans rien d'ailleurs et ouais dans dernière interview première dame n'a fait ali clé dans toute parole qui sorti dans bouche. Eh bien, pas de problème, Stanley. C'est un véritable plaisir pour nous te faire parler ça. Rendez-vous à casser 6 juillet pour venir là. Bon courage, merci, bon Dieu bénou, ou même à toute équipe. Il y a vraiment une grosse dette envers nous pour nous aider la nation, défendre l'intérêt pendant 24 mois qui sont passés. Bravo, Yann. Merci, en pile. Bye bye. Bonne journée. Avec nous, c'était Stanley Lucas. Nous avons parlé sur la situation paysan, surtout sur visite et secrétaire et général Nations Unies Antonio Guterres cap gain pour rentrer en Haïti là demain samedi 1er juillet. Nous t'a regarder qui ça gain pour lui faire, nous t'a regarder tout et histoire Haïti avec Nations Unies, surtout dans ça qui est pour avec question Minustah. Nous connaissons dans moment là ça qui d'actualité. Ça Ariel et dans lobby a fait dépenser en pillage, l'état haïtien dépenser en pillage pour regarder comment yo ka joindre support en paquet pays pour permettre le déploiement de force et d'intervention en fait en Haïti. Donc, dans l'occasion, ça a gagné le secrétaire général qui a rentré en Haïti, il vient faire état des lieux, il vient parler avec les acteurs politiques. Donc, Stanley se partage appréhension, il se partage et vision sous visite là, qui ça le passé, et le secrétaire vient faire, qui ça tout, et Ariel qui a bénéficié ou pas, qui ça peut pas ici, on doit faire tout. C'est ça qui est beaucoup plus important. Qui ça nous doit faire pendant et Antonio Guterres a rentré Haïti parce qu'il a aidé en pile en pile en pile. Il y a quelques questions qu'on a posées vraiment et secrétaire général là sur réparation. Yo te promet Nations Unies d'y préparer et pour 11 000 Haïtiens qui ont perdu la vie avec question choléra. 11 000 familles jusqu'à présent, yo chita la yaptan et réparation, rien pas dit. Et gen question assassinat président Jovenel Moïse, quand l'État haïtien te demandé pour un tribunal spécial international qui mette campé pour juger coupable, pour chercher coupable, etc. Ça pas jamais fait, bien dossier et supporter la police by PNH. Bay la médaille équipement bay policier yo bon jan moyen pour aller combattre gang pour aller combattre bandit c'est toujours l'être mort pas gen rien qui j'aime dit sous dossier ça yo donc il est extrêmement important et parti ça contestant les détails ensemble de réaction bien comportement peuple haïtien t'a supposé gagner demain samedi bon c'est li vraiment important tant qu'haïtien pour nous réagir, pour nous montrer et moun sa yo, des séries de têtes pensantes dans la communauté internationale, des séries de monde qui toujours parle pour dire Haïti, mais comment faire à droite Haïti, faire à droite et faire à gauche Haïtien, faire ceci, faire cela. Eh bien, je dis, faut que nous-mêmes tout nous parler pour nous voir un signal clair par moun sa yo parce que nous pas continuer faire pays comme ça, pays pas fait comme ça. Pays pas fait pendant que nèg dans l'état officiel dans l'état bay bandizam, a bay bandi moyen nèg dans l'état participer dans assassinat en président élu pour yo mettre comme transition. Non pas continuer dans logique ça, il pas possible, il pas jamais est possible. Donc, j'en entends de là, rendez-vous en cassé avec Stanley Lucas, 6 juillet prochain, pour venir là, parce que et 7 juillet, nous connaissons, c'est deuxième année commémorative assassinat du président Jovenel Moïse. Et me promet nous, il y a un reportage que m'a présenté nous. Et un pile travail, oui, un pile travail, parce que tellement de réalisations. Et que le président Jovenel Moïse, que l'administration et Jovenel là, il a travaillé sur lui, mon cher. C'est bagay tête chargée net, des séries de gros l'hôpital qui t'a construit et des séries de bagay, il va parler de lui, non? Si c'est pas un monde qui cherche le potel ba ou pas jamais qu'on existence bagay ça yo. Et en tout cas, on va gagner pour découvrir toute information ça yo, on va gagner pour découvrir tout projet ça yo que gouvernement, que administration Jovenel là était en main et pour une raison pour l'autre gain qui camper mais gain tout qui continue, yo continue à travailler là-dedans etc. pour permettre que les projets à les finaliser pour permettre que toute bagaille réalisée. Donc c'est là, m'a mettre en bout dans émission pour aujourd'hui. M'a invité à partager vidéo, à partager émission. Si pourquoi abonner à la chaîne là, abonner, activer la cloche notification et qu'on soit pas raté aucune vidéo n'a gagné pour nous poster et m'a rappelé jeudi c'est vendredi 30 juin dernier jour dans mois juin et week-end dans li commencer et veille côté ou mettre puis pas boire si ou prend volant pas doit boire alcool ba ça pas ami après ça profiter de week-end ou on week-end reton week-end dans tout pays du monde et merci à vous même rendez-vous en cassé dans une autre émission restez connecté avec les plateformes dans pour programmation. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial, émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Parola, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Bye.